le monde, donc on est présentement jour 4 du voyage à Cape Cod. Fait que là, dans le fond, il est présentement 10 heures. Puis, ben là, dans le fond, ce qu'on prévoit faire aujourd'hui, c'est qu'on risque d'aller à Provincetown. Dans le fond, ok, pour vous situer un peu où est-ce que c'est, là, c'est que Cape Cod, c'est quand même un peu une genre de demi-lune, si on veut. Puis, dans le fond, nous, on est vraiment comme dans le creux de la demi-lune. On est à West Yamout. Quelque chose de même. Quelque chose qui ressemble à ça. Puis dans le fond, Provincetown, c'est comme au bout de la demi-lune. Fait que c'est comme vraiment à l'opposé. Ben, pas tant à l'opposé, là, mais tu sais, c'est quand même loin de où est-ce qu'on est. Fait qu'on risque d'aller là aujourd'hui parce qu'il paraît que c'est super beau parce qu'il y a des dunes, puis il y a comme des petites maisons cute. En tout cas, c'est ça que ma mère, elle a dit. Fait qu'on risque d'aller là aujourd'hui. Fait que c'est pas mal ça. Dans cette plage-là, il y a des requins. Je pense pas qu'on va aller là. Dans genre Pirates des Caraïbes. C'est tellement gros. Là, dans le fond, on vient de finir notre journée à Provincetown. Puis là, dans le fond, on s'en va souper, puis on s'en va à une place pour regarder les couchers de soleil. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Je sais pas où est-ce qu'on va aller manger, mais c'est pas grave. Fait que là, on vient de s'arrêter dans une petite place, là, puis c'est juste tellement beau. On vient regarder le coucher de soleil, là. Peut-être que vous allez... Ça va probablement pas rendre justice à ça, là, mais c'est tellement beau. C'est comme un marécage, là, puis ah, puis un long pont là-bas, là, vous voyez pas à quel point c'est long, là, mais c'est vraiment, vraiment beau. Je sais que vous pouvez probablement pas voir, là, mais l'espèce de petit pont pour se rendre jusqu'au bout, il est tellement long. Je pense que, no joke, là, je dois faire genre 5 minutes que je marche. C'est vraiment long. Mais ça en vaut la peine. Vous voyez, genre, ça rend tellement pas justice à la vue, mais vous en voyez quand même une super belle partie, là. C'est trop, trop beau. Bon, ben bon matin tout le monde. Donc, il est présentement 10h40. Donc, on commence le jour 5. Pour vrai, j'ai tellement perdu le décompte. Je pense que c'est jour 5 des vacances à Cape Cod. Fait que dans le fond, aujourd'hui, je pense qu'on va prendre ça un peu plus relax. Et je vais encore aller... je vais probablement encore passer la journée à la plage. Puis peut-être que plus en fin d'après-midi, on va aller au... au petit centre d'achat. C'est tellement pas comme ça que je le dis, là, mais un genre de petit carrefour pour acheter des trucs parce que j'ai besoin d'une nouvelle carte mémoire. Puis aussi, ben, je sais qu'il y a genre un Victoria's Secret puis un Bath & Body Works, fait que ça se peut que j'aille faire un tour là-bas. Sinon, il faut que je vous montre quelque chose. Fait que dans le fond, c'est les Oikos au café latte, ok? J'ai mangé ça ce matin pour déjeuner avec d'autres choses, là. Mais oh my god, cette chose est juste trop bonne. Comme si vous venez aux États-Unis, parce que je pense pas qu'on a ça au Canada. Mais si vous venez aux États-Unis ou que vous allez à quelque part d'autre puis il y a ça, pour vrai, prenez-en parce que c'est juste trop bon.